J'étais très heureux et très honoré de rencontrer le directeur général de la FAO. C'est effectivement une grande chance, puisqu'il a pris son poste il y a peu de temps. Il a précisé des éléments de sa politique déjà. Et mon souci, c'était de lui rappeler la préoccupation de la France, qui veut investir de plus en plus d'argent dans le développement. Nous voulons atteindre une barre d'aide de 0,55% de notre production intérieure brute. Et nous sommes évidemment très attentifs à un certain nombre de pays qui sont nos voisins, c'est-à-dire l'Afrique en général, et en particulier la zone sahélienne. Donc j'ai insisté là-dessus, et également je crois qu'il est très soucieux de faire en sorte que le développement soit harmonieux. C'est une préoccupation aussi qui est la nôtre, non seulement le développement, mais en respectant un certain nombre d'axes, comme les préoccupations liées au climat et toutes ces choses. Et dans toute cette perspective, l'ensemble des institutions romaines, et en particulier la FAO, sont des institutions majeures. Donc je me suis permis de lui souhaiter un très beau mandat et de lui dire qu'on comptait beaucoup aussi sur ces belles institutions, sur cette préoccupation majeure qui est de faire en sorte que l'alimentation soit convenable, sachant qu'il ne faut jamais oublier que nous avons près de 800 millions d'humains qui souffrent de la faim d'une manière ou d'une autre.